Alors, merci à tous, merci d'être là. Merci à l'Université de Toulon qui nous accueille dans ses murs. Merci à son président qui a toujours été bienveillant à notre égard pour les FMES. Au nom de Pascal Hausser et de Thierry Duchesne qui auraient dû être là mais qui ne sont pas là, je vous souhaite la bienvenue, je vous prie de les excuser. Et ce soir, on va parler de stratégie navale. Stratégie navale au 21e siècle. Donc, ce n'est pas de l'histoire, c'est de la stratégie et de la prospective. Le réarmement naval est observable partout. La FMES vous le dit, la marine le dit, toutes les marines le disent, les experts le disent un peu partout. Et ça démontre en fait l'ambition d'un grand nombre de pays d'être en capacité de se projeter sur un certain nombre de mers du globe. Et donc, on a des espaces qui deviennent de plus en plus restreints, de plus en plus difficiles d'accès, voire de plus en plus conflictuels. Petite incidente sur l'actualité, puisque vous connaissez pour la plupart d'entre vous mon appétence pour les sujets du Levant et du Moyen-Orient. Juste imaginez-vous un clash majeur. Je ne parle pas des petites frappes à droite à gauche comme ça, mais un clash majeur entre Israël et le Hezbollah, Israël et l'Iran. Et la nécessité pour un certain nombre de pays, dont la France, d'évacuer leurs ressortissants ou les ressortissants européens du Liban. Non plus en mode, on va dire, contrôlé, mais dans un mode extrêmement dégradé, en milieu, comme on dit, non permissif du tout, avec les missiles qui volent dans tous les sens. Ben voilà, ben c'est le sujet, enfin c'est pas le sujet, mais c'est une illustration et une hypothèse de travail de ce que pourrait être le sujet, donc de ce que notre conférencier ce soir, ou de ce dont il va nous parler. Et donc j'ai le très grand plaisir de souhaiter la bienvenue et d'accueillir Nicolas Mazzucchi. Nicolas Mazzucchi est directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la Marine. Il est docteur en géographie économique, spécialiste des questions d'énergie, de cyber et de stratégie navale. On s'est rencontrés il y a une douzaine d'années dans différents postes. Depuis plus d'une décennie, il alterne des postes au sein du ministère des Armées et des passages dans le secteur privé, toujours sur l'analyse des grands enjeux stratégiques. Il est passé notamment par la Fondation pour la recherche stratégique, la FRS, qui est notre partenaire pour les rencontres stratégiques de la Méditerranée auxquelles vous pouvez toujours vous inscrire 8-9 octobre prochain, donc je fais un petit peu de publicité. Il est auditeur de la 25e promotion de l'école de guerre. Il est également conseiller scientifique de Futurible International et a servi comme expert pour les travaux de l'UE, de l'OTAN et de l'ONU. Il a publié plusieurs ouvrages, dont Énergie, ressources, technologie et enjeux de pouvoir chez Armand Collin, et s'apprête à publier un ouvrage justement sur la stratégie navale, ce dont il va nous parler ce soir. Enfin, et c'est plus personnel, il est adepte des wargames et il fait partie de ceux qui ont vraiment beaucoup insisté et surtout qui ont beaucoup œuvré pour que le wargame se diffuse au sein de la marine. Et là, j'ai un œil pour le fond de la salle, justement pour vous dire que ben, lorsque vous serez amené à faire du wargame, vous aurez une pensée pour lui parce que Nicolas Mazzucchi a joué un vrai rôle là-dessus. Nicolas, je te passe la parole et tu as 55 minutes à peu près pour nous livrer tes vues et puis ensuite vous aurez une demi-heure à peu près pour lui poser toutes vos questions. La parole est à toi. Merci pour cette invitation et d'être présent aussi nombreux ce soir pour écouter finalement. Ça va mieux ? Top. Donc, comme je disais, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être si nombreux ce soir pour m'écouter, surtout sur un sujet qui peut vous paraître un petit peu aride, tel qu'écrit à l'écran, stratégie navale, élément théorique. Je vous rassure, ce n'est pas un cours de l'école de guerre. Pourtant, techniquement, si, c'est un cours de l'école de guerre, puisque je donne exactement le même. Je vais essayer d'adapter un petit peu. Mais avant tout, aujourd'hui, pour la marine, pour les marins, pour le grand public aussi, pourquoi s'intéresser à la stratégie navale? Pierre en a un petit peu parlé, effectivement, dans une dynamique aujourd'hui de réarmement naval. Ce réarmement naval, qui est qualitatif et quantitatif, touche aujourd'hui l'ensemble de la planète.
Il n'y a pas une région de la planète où vous pouvez vous dire qu'elle est épargnée par ce réarmement naval, il est plus ou moins intense. Bien évidemment, on entend énormément parler de l'espace Indo-Pacifique, je reviendrai sur l'Indo-Pacifique, notamment dans sa composante plutôt pacifique, mais pas exclusivement, mais il touche tout autant la Méditerranée que finalement l'Amérique latine, si on la regarde aussi, là, d'une manière entre un point de départ et un point d'arrivée. Donc c'est vraiment, une fois de plus, un phénomène qui est très global, qui touche aussi les pays européens d'ailleurs, et qui nous interroge sur le lien, j'allais dire un petit peu ontologique aussi, entre la stratégie, donc la manière de les utiliser, et les capacités, finalement, de la poule ou de l'œuf, c'est-à-dire des capacités de la technologie ou de la stratégie, c'est-à-dire le moyen de l'utiliser. Quel est celui qui vient en premier? En fait, ni l'un ni l'autre, les deux travaillent ensemble, c'est une symbiose. Pour une raison simple, c'est que l'être humain ne peut pas être sur la mer naturellement. Il a besoin du truchement d'un objet qui s'appelle un navire, qui s'appelle un sous-marin, qui s'appelle un aéronef. Donc le fait technologique dans la stratégie navale est forcément majeur. Toutefois, on ne peut pas le limiter à ça. Ce n'est pas celui qui a la supériorité technologique qui gagne automatiquement, sinon ça serait trop facile, on investirait à fond et on gagnerait quoi qu'il se passe. Vous allez voir que les choses sont un petit peu plus compliquées. Toutefois, cette dynamique du réarmement naval, eu égard à cette importance de la technologie dans les questions de conflictualité en mer, doit quand même nous interroger sur le fait de savoir est-ce que la vision stratégique qui était celle présente jusqu'alors est bouleversée ou pas. Alors la réponse, évidemment, est oui et non. Douter, ça va être bien entendu plus compliqué que ça. Toutefois, pourquoi aujourd'hui, pourquoi dans la marine, pourquoi au centre d'études stratégiques de la marine, pourquoi à l'état-major de la marine, puisque je suis aussi membre de l'état-major de la marine, dans une cellule qui a été récemment créée, qui s'appelle EPG, Études Prospectives Générales, donc on réfléchit au futur de la marine et au futur de la conflictualité en mer, pourquoi repenser ou pourquoi se dire ben en fait il faut qu'on remette la stratégie à plat? Pour une raison simple, c'est que ça fait 30 ans qu'on ne fait plus de stratégie en mer. Et quand je dis 30 ans, en réalité, c'est beaucoup plus. Bien évidemment, je pense qu'au travers des différentes conférences de la FMES, on a déjà dû vous parler des dividendes de la paix. Je pense que c'est des choses qui ont déjà été abordées. Donc cette période où finalement, cette hyper-suprématie technologique et militaire des pays de ce qu'on avait appelé le bloc occidental après l'effondrement de l'URSS, finalement sanctuarise la situation mondiale et où on se dit, bah, quelque part, les pays de cet espace euro-atlantique sont devant. On ne sera plus jamais rattrapé. On a pris une telle supériorité que de toute façon, finalement, tout sera réglé par les capacités techniques. Et comme les capacités techniques sont devant celles des autres, bon, la manière de les employer, quelque part, joue un rôle relativement mineur, donc ne nous intéressons pas trop à ça. C'est un petit peu la vision tarte à la crème de ce qu'on a appelé la révolution dans les affaires militaires, de ce qu'on a appelé les dividendes de la paix. Alors ça contient en soi un germe aussi de réalité. Ça a été aussi parfois ça, le fait de se dire, finalement, on est tellement devant nos compétiteurs réels ou supposés que ceux-là ne nous rattraperont pas, et que donc c'est pas trop la peine qu'on s'intéresse au fond des choses. Mais aussi parce que, et je parle vraiment dans le domaine naval, en réalité, ce problème-là était présent depuis beaucoup plus longtemps. Et pour moi, il n'y a plus de stratégie navale depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Parce que la guerre froide, en termes de stratégie, je parle vraiment en termes de stratégie, pas en termes de tactique, pas en termes de technologie, en termes de stratégie, était un moment facile intellectuellement. Et quand je dis facile, c'est trop facile. Pour une raison simple, quand vous projetez un petit peu... Tu disais qu'on n'allait pas faire d'histoire. On va quand même faire un peu d'histoire. Quand vous projetez un petit peu en arrière sur ce qu'était la guerre froide du point de vue naval, ben finalement, c'est une opposition qui est très binaire. D'un côté, vous avez un bloc, donc le bloc otanien, l'espace euro-atlantique, dont le principe, le but en termes de stratégie navale est très simple, c'est maintenir l'accès logistique de l'Atlantique Nord ouvert. Voilà. Donc le principe, c'est qu'il faut que l'Atlantique Nord soit ouvert. Là aussi, pour une raison simple, c'est pour avoir la capacité de maintenir en permanence un flux d'hommes, de matériel, de munitions entre les alliés d'Amérique du Nord et les alliés européens en cas d'invasion soviétique sur le territoire européen. Donc la stratégie qui est mise en place et l'outil capacitaire qui est développé pour répondre à cette stratégie-là, c'est une stratégie de l'accès, c'est une stratégie qui est fondée sur la logistique, qui est fondée sur la nécessité de maintenir ou d'ouvrir un accès. Et l'outil privilégié pour ce faire, c'est le porte-avions. Et de l'autre côté, quand vous placez en miroir, quelle est la stratégie de l'autre côté? Quelle est la stratégie du camp soviétique? En fait, c'est l'exact, une fois de plus, miroir. C'est une stratégie du bastionnement. C'est une stratégie d'empêcher l'accès par la mer
d'empêcher l'agression par la mer de son territoire. Et là, on va se retrouver avec un développement de la marine soviétique qui est un exact miroir. Le principe, c'est je défends mes côtes de la manière la plus forte possible. Donc une marine qui n'est pas une marine à très longue allonge, au contraire, une marine côtière, mais une marine très bien dotée en moyens antinavires. Une aviation navale qui est qui est une aviation navale basée à terre jusqu'à la fin des années 80, qui est destinée à aller taper sur les porte-avions de l'OTAN, et un gros investissement sur les sous-marins, puisque le sous-marin, c'est aussi, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle, l'arme principale pour aller lutter contre des porte-avions. Et finalement, on a ces deux stratégies qui se répondent en miroir, et d'un côté, bah, relativement simple, hein, la stratégie otanienne, c'est bah, très bien, il faut qu'on fasse de l'accès, et la stratégie soviétique, il faut qu'on empêche de l'accès. Jusqu'à il y a quelques années, quand on regarde, une fois de plus, en termes de pensée stratégique, la manière dont la confrontation navale américano-chinoise était pensée, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'on avait dupliqué sur les Chinois les mêmes concepts qu'on appliquait aux Soviétiques, et notamment sur un concept qu'on appelle les chaînes d'îles. C'est-à-dire que le principe, à la fois pour les Soviétiques à l'époque et pour les Chinois, jusqu'au milieu des années 2010, était, vu du côté occidental, en fait de réussir à dépasser des chaînes d'îles, donc de sortir de leur zone côtière, mais pas de sortir trop loin. En gros, on restait toujours sur une vision qui était une vision fondée d'un côté, donc côté plutôt américano-occidental, sur « je dois créer de la logistique, je dois créer de l'accès » et, pensait-on, côté opposé, « je dois empêcher les autres de venir ». Et donc, on avait une stratégie navale qui, finalement, était une stratégie d'origine très intellectuellement, d'une fois de plus, d'origine très guerre froide, avec en plus cette période des dividendes de la paix dont je vous ai parlé, qui là, pour le coup, elle a été véritablement, et une fois de plus j'insiste là-dessus, une faillite intellectuelle, en termes de stratégie navale toujours. La première doctrine qui est sortie par l'US Navy à l'issue de la guerre froide, donc en 1992, hein, immédiatement après la sortie de l'URSS, s'appelle « From the Sea ». Elle sera suivie 2 ans plus tard par sa suite qui s'appelle « Forward from the Sea ». Et en gros, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est très simple, c'est la mer, ça sert à mettre des éléments qui sont protégés par le milieu, puisqu'on a la suprématie en mer, donc on ne va pas les attaquer en mer, pour aller frapper contre la terre. Point. Qu'on appelle la doctrine du sea basing. Et cette doctrine-là, cette doctrine from the sea et forward from the sea, elle va rester en vigueur, en tous les cas intellectuellement, jusqu'à très peu de temps. Donc c'est vraiment quelque chose de très récent de se dire, aujourd'hui, il faut repenser à l'affrontement naval dans toutes ses composantes et à l'affrontement naval symétrique entre États qui sont dotés ou non de l'arme nucléaire, mais avec une vraie capacité à penser, alors c'est je ne pense pas, évidemment, bien entendu, la guerre d'escadre telle qu'on l'a pensée au début du XXe siècle. Quoique parfois, il y a des choses intéressantes à regarder là-dedans. Parenthèse. Mais se dire, aujourd'hui, avec cette dynamique du réarmement naval, avec l'affirmation d'un certain nombre de pays, je prends le cas de la Chine et de l'Inde, par exemple, qui étaient jusqu'à il y a très peu de temps des pays dont l'ambition navale était une ambition très côtière, qui aujourd'hui devient une ambition soit régional, soit, dans le cas de la Chine, totalement global, donc avec un outil naval qui se veut lui-même totalement global, on est obligé de réinvestir très profondément la stratégie navale, de repartir peut-être non pas de zéro, mais bien évidemment, il y a des penseurs navals qui ont écrit depuis que l'homme va sur mer. Donc, bien évidemment qu'on repart de ça, mais de réappliquer ça aujourd'hui et de repenser tous ces éléments-là. Alors pour faire ça, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est comme d'habitude, hein, vous savez, quand on repart ou quand on repense des éléments intellectuels et théoriques, on repart de la base. Donc on part des caractéristiques du milieu. Alors, je vous ai dit, la première caractéristique du milieu, c'est que la mer, de toute façon, est par nature hostile à l'homme et que l'homme ne se maintient sur la mer ou sous la mer que par le truchement d'un objet. Ça, c'est la première chose. Mais surtout, la mer, vous allez voir, c'est très simple et c'est très basique. Ce que je vais vous dire, ça ne va rien réinventer. Première caractéristique, c'est l'immensité. Les mers et les océans, c'est les 3/4 de la surface du globe qui sont la plupart interconnectés entre eux, sauf dans des cas particuliers, type mer Caspienne, etc. Mais c'est immense et interconnecté. La deuxième caractéristique, quand on va s'intéresser pas forcément à la surface, mais à ce qui est sous la surface de la mer, c'est l'opacité. Vous ne pouvez pas, en l'état des technologies, des connaissances, etc., avoir une capacité de connaissance permanente et général de ce qui se passe sous la mer sur toute la planète. Vous pouvez le savoir de manière très ponctuelle si vous avez un capteur, si vous avez un moyen sous-marin ou anti-sous-marin de savoir ce qui se passe quelque part, mais la plupart du temps, vous ne savez pas trop ce qui se passe et l'opacité justement de ce qui est sous la mer permet un certain nombre de manœuvres, permet un certain nombre d'incertitudes. On va voir que l'incertitude dans la stratégie navale,
C'est un élément absolument fondamental. La troisième caractéristique, c'est la tyrannie des distances et du temps. En mer, pour aller d'un point A à un point B, on met beaucoup de temps. Un navire, c'est lent. Si demain, il y a un problème en Indo-Pacifique, vous partez de Toulon, vous mettez 3 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire là aussi ? Et en quoi ça nous interroge ? Quand on réfléchit à être une puissance, certes une puissance d'équipe, mais une puissance globale comme la France, dans notre capacité à nous projeter, à agir, à avoir un discours stratégique qui soit clair, entendable et surtout réaliste, et compris comme tel par des adversaires, par des compétiteurs ou même par des alliés. Vous voyez, on commence à arriver sur un certain nombre de choses. Et la dernière caractéristique, c'est la fluidité. C'est comme je vous l'ai dit, je reviens à mon histoire, l'être humain ne peut se maintenir sur la mer qu'au travers d'un objet, navire, aéronef, sous-marin, etc., qui lui-même, pour des tas de raisons, qui sont d'ailleurs liées à la physique, ne peut pas rester fixe, ou a de très grandes difficultés à rester fixe plus d'un temps relativement limité. La mer, c'est un espace fluide, c'est un espace où les mobiles, quels qu'ils soient, évoluent les uns par rapport aux autres, ce qui veut dire que contrairement, par exemple, à la stratégie terrestre, en mer, vous n'avez pas de notion de front. Ce n'est pas la guerre en Ukraine. En tous les cas, ce n'est pas la guerre terrestre en Ukraine. C'est, on ne peut pas dire à un moment, ici, je vais faire un bouchon étanche et je vais vous empêcher de passer. Petit 1, c'est un espace fluide. Donc faire un bouchon étanche, on ne pourrait pas parce que déjà, on est obligé d'évoluer pour ravitailler les navires, pour changer les équipages, pour plein de choses. Et deuxièmement, vu que de toute façon, c'est immense, de toute façon, vous n'arriverez pas à étanchéifier la chose. Et troisièmement, vu que c'est opaque, vous n'arriverez pas non plus à étanchéifier en dessous. Donc la notion de front n'existe pas. Elle ne peut pas exister. Donc en mer, on ne se bat pas pour contrôler de manière absolue des espaces. Ce n'est pas le but. Le but de la stratégie navale, but historique qui est toujours le même aujourd'hui, c'est le contrôle des sea lanes of communications, comme disent les anglo-saxons, des lignes de communication maritime, lignes de communication prises au sens large, soit les lignes de communication en termes d'échanges, échanges commerciaux, mais aussi échanges de données, par exemple. Là aussi, on est sur une sea lane of communication. 90% aujourd'hui des échanges économiques et des échanges numériques de la planète passent par la mer. Donc la mer, c'est l'artère majeure, c'est l'aorte de l'ensemble du système économique mondial, et pour tous les pays. Donc ça veut dire qu'être capable d'aller dénier à un adversaire cette capacité de communication, soit plus je prends le terme anglo-saxon parce qu'il est plus vaste en termes intellectuels que le terme français, puisqu'il inclut tous ces échanges commerciaux, etc. Dénier à un adversaire cette capacité à échanger, c'est le priver d'un certain nombre de choses. C'est le priver, dans un esprit très clausewitzien, en fait, de sa volonté de combattre. C'est agir sur son moral. C'est ça le but de la stratégie navale. Et en fait, tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, parce que ça fait quand même un petit moment que je parle, une petite vingtaine de minutes que je parle, ben en fait, on va tout compacter. En fait, la stratégie navale, ça se résume en un mot. Liberté. Le but ultime de la stratégie navale, c'est acquérir ou dénier de la liberté. Ça n'est que ça. Et d'ailleurs, traduction, le droit international maritime, convention de Montego Bay ou même l'ensemble des textes de droit international maritime, sont fondés sur le principe de la liberté, notamment le principe de la liberté de navigation. Stratégie navale, j'acquiers ou je dénie de la liberté. On ne fait pas du gain territorial, on va chercher autre chose dans la stratégie navale. Voilà. Vous voyez, ça se compacte en un seul mot. Une conférence pour vous dire juste un mot, c'est pas mal. Je vais quand même creuser un petit peu ça. Si j'y arrive. Voilà. Après, une fois de plus, ça c'est l'approche, j'allais dire, extrêmement générique de tout ça. Je ne sais pas si ça s'affiche bien. C'est l'approche extrêmement générique de tout ça. Et ça, ça va s'appliquer sur des espaces géographiques. Et vous allez voir que la stratégie navale, on va l'approcher de deux manières. On va l'approcher d'une manière horizontale, celle que je vous donne là, et d'une manière verticale, je vous en parle après. Historiquement, je vous ai dit, il faut toujours se repencher sur les penseurs, les grands penseurs de la stratégie navale. Et quand on prend les grands débats de la fin du 19e siècle, tout ce qui est pré-première guerre mondiale, puis entre deux guerres, on se rend compte que le grand débat de la stratégie navale de cette époque-là, c'est de savoir, est-ce que le combat naval doit se passer dans les eaux brunes ? C'est-à-dire, est-ce qu'il doit se passer à proximité des côtes ? Donc, est-ce qu'on doit avoir des forces côtières bien armées qui sont capables d'intervenir rapidement et donc de neutraliser rapidement les menaces qui s'approcheraient ?
mais au risque que potentiellement ce combat naval déborde sur la Terre? Ou est-ce qu'au contraire, le combat naval doit se dérouler dans les eaux bleues? Est-ce qu'il doit se dérouler le plus loin possible des côtes? Est-ce qu'en gros, c'est en haute mer qu'on doit affronter et détruire l'adversaire pour justement sanctuariser le plus possible le territoire? Bon, je ne vous refais pas toute l'histoire des grands débats stratégiques autour de ce concept, mais l'idée, c'est de voir qu'à cette époque-là, une fois de plus, fin 19e, début 20e, Première Guerre mondiale, il y a quand même un débat, c'est l'un ou l'autre. Globalement, c'est est-ce qu'on doit appuyer sur A, est-ce qu'on doit appuyer sur B? À la fin des fins, c'est tranché en faveur des eaux bleues, donc c'est tranché en faveur du fait d'avoir des grosses unités, à l'époque ce sont des cuirassés, qui vont loin, qui emportent une grande puissance de feu et qui donc sont capables d'aller affronter l'ennemi en haute mer. Bon, ça c'est la logique historique qui prévaut. Après, si on replaque cette logique-là aujourd'hui, vous voyez un truc dont je ne vous ai pas parlé au milieu, qui sont les eaux vertes. En fait, voilà aujourd'hui, si on devait réfléchir à cette approche géographique un petit peu horizontale, c'est-à-dire en partant du trait de côte, on aurait d'abord ces eaux brunes qui correspondent à peu près, en termes de droit international maritime, aux eaux territoriales. Après, on aurait les eaux vertes qui, globalement, correspondent aux zones économiques exclusives. Et au-delà de tout ça, quand on est en haute mer, on aurait les eaux bleues. Donc si on devait réfléchir à tout ça, aujourd'hui, où mettrait-on la priorité? Vous allez voir que ce n'est pas clair. Et que c'est bien le problème. Une fois de plus, rappelez-vous qu'historiquement, c'était le débat de l'un ou l'autre. Aujourd'hui, si je reprends justement ce découpage et que je l'applique à la situation navale actuelle, en partant des eaux brunes, qu'est-ce qui se passe? Les eaux brunes, ça a été, une fois de plus, parce que historiquement, les eaux bleues ont été vraiment le triomphe intellectuel des eaux bleues, en fait, a tué cette approche de la guerre littorale. Et une fois de plus, finalement, la victoire du camp occidental pendant la guerre froide, qui elle était elle-même très orientée sur la stratégie en eau bleue, a tué beaucoup cette approche de la guerre littorale. Aujourd'hui, on est en train de, j'allais dire finalement, se reprendre la réalité dans la figure avec l'Ukraine. Qu'est-ce que c'est que la guerre navale en Ukraine? C'est une guerre d'eau brune. Et c'est uniquement une guerre d'eau brune. Ce n'est pas tout à fait vrai ce que je viens de vous dire, il y a une petite partie eau verte, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais c'est très majoritairement une guerre d'eau brune. Et de quoi se rend-on compte avec cette histoire-là? C'est que la stratégie navale ne peut pas faire l'économie de regarder aussi les autres milieux. L'allonge de la capacité de frappe de la terre vers la mer, avec le fait d'avoir des missiles antinavires basés à terre, mais aujourd'hui, le fait d'avoir aussi des canons d'artillerie basés à terre, dont la portée avec un mètre de précision pour le ciblage, et aujourd'hui à plus de 40 km, avec des travaux qui sont engagés dans la plupart des grands pays du monde pour avoir une portée à 80 km. Ça veut dire que dans quelques années, on pourra tirer des obus de 155 avec une précision d'écart d'un mètre à l'arrivée à 80 km. Et je vous le dis tout de suite, les navires de guerre contemporains sont assez mal conçus pour résister à des obus de 155, surtout quand ils arrivent par paquet. On voit déjà ce qui se passe avec des drones. Donc imaginez quand il y a une charge explosive au bout. Deuxièmement, et là, gros enseignement aussi de la guerre en Ukraine, c'est une guerre visible. Pour reprendre le mot, alors, qui évidemment, je sais qu'il y a des marins dans la salle, ça ne va pas leur plaire. Pour reprendre le mot d'un ministre de la guerre de Louis XV qui s'appelait Bourgeois de Boine, en mer, on se rencontre, on se canonne, on se coule quelques navires et la mer n'en reste pas moins salée. Alors, évidemment, c'est très venimeux pour les marins. Maintenant, si vous placez dans une logique politique, puisque je rappelle que la guerre n'est que la continuation de la politique par d'autres moyens, bah finalement, c'est très vrai. Un affrontement en haute mer, à partir du moment où il aboutirait à la perte de quelques navires, finalement, aurait un impact relativement limité sur les populations. Je ne parle pas d'un affrontement cataclysmique qui aboutirait à la perte d'une flotte. Je parle vraiment d'un affrontement qui resterait limité, mais qui aurait lieu. Pour une raison simple, ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas de manière directe, à moins que vous soyez vous-même famille de marins et touché directement par cet affrontement. Derrière, on vous dirait, voilà,
la France a perdu deux frégates au milieu de l'océan Pacifique. Bon, très bien. Bon, c'est dommage, ça arrive. Mais par contre, si de votre fenêtre, tous les matins, vous voyez des attaques suicides venues de la mer qui détruisent des infrastructures portuaires, qui détruisent des navires au mouillage, qui détruisent des éoliennes offshore avec des explosions en permanence, l'impact psychologique sur les populations n'est absolument pas le même. Et comme disait Clausewitz, le but de la guerre, c'est de convaincre l'autre qu'il a perdu. Donc, le but de la guerre, c'est d'agir sur le moral des décideurs. Et dans une démocratie, le moral des décideurs passe par le moral des populations. Donc, quand on regarde ça, cette conflictualité en eau brune, finalement, elle est extrêmement intéressante. On se dit, tiens, là, si je veux obtenir un effet politique, et une fois de plus, on est en stratégie, donc je veux obtenir un effet politique, donc je veux agir sur le moral des populations, bah autant taper là où ça fait mal, donc là où ça se voit. Ah, intéressant. Intéressant. Et puis, l'Ukraine nous a montré aussi qu'avec relativement peu de moyens, une fois de plus, prenez la situation initiale entre l'Ukraine et la Russie, le différentiel de capacité qu'il y avait, avec relativement peu de moyens, on est capable de faire beaucoup d'effets. Les Ukrainiens l'ont démontré. Et on montre qu'on est capable de beaucoup handicaper son ennemi. De l'autre côté, je vais me projeter à l'autre extrémité, dans les eaux bleues, cette dynamique de réarmement naval aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est une dynamique qui est à la fois quantitative, mais qui est à la fois qualitative. Quand on voyait le développement d'un certain nombre de marines régionales, ou qui se voulaient régionales il y a quelques années dans leur capacité, avec le développement, sans rentrer dans des détails très très techniques, mais le développement des capacités aujourd'hui des sous-marins à propulsion conventionnelle, qui même sans égaler des sous-marins à propulsion nucléaire, deviennent aujourd'hui des objets extrêmement puissants. Le développement du nombre de porte-avions et de porte-aéronefs, c'est intéressant, tout le monde vous explique que le porte-avions c'est quelque chose d'extrêmement vulnérable dont on se demande bien à quoi ça sert, bizarrement la plupart des pays qui ont des ambitions navales essaient de se doter de porte-avions. Bon, c'est donc que ça doit avoir une quelconque utilité. Le développement ou le redéveloppement de navires de très gros tonnage. Les Britanniques ont encore annoncé il y a quelques jours que leur prochaine classe de navires, les types 83, ferait plus de 10 000 tonnes. Les Chinois font des navires de plus de 10 000 tonnes. Les Américains font des navires de plus de 10 000 tonnes. Les Italiens ont annoncé des navires de plus de 10 000 tonnes. Donc on est vraiment sur un retour des très gros navires, enfin, par rapport effectivement à ce que sont les frégates et les destroyers, des très gros navires. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est aussi en train de se préparer pour avoir la capacité d'aller intervenir dans ces eaux bleues, pour avoir la capacité d'aller porter le feu, là aussi, loin des eaux brunes, en regard en partie de ce que je vous ai dit. Et alors, au milieu, il y a cette question des eaux vertes. Mais quel est le problème par rapport à ça? Le problème, il est très simple. C'est que, rappelez-vous, le but de la stratégie navale, c'est d'agir sur les sea lanes of communications. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se développe en mer? Les exploitations d'hydrocarbures. Pétrole d'abord, depuis la deuxième moitié des années 70, gaz depuis le début des années 2000, qui se développe d'ailleurs de plus en plus loin. Aujourd'hui, au Brésil, on fore rentable en pétrole par 3000 mètres de profondeur à 200 km des côtes. La plupart des grandes découvertes de gaz dans le bassin levantin entre Israël et Chypre se font entre 100 et 200 km des côtes. Une fois de plus, avec des exploitations rentables. Les parcs éoliens offshore, là aussi, se développent de plus en plus, de plus en plus loin des côtes. On était à quelques kilomètres des côtes il y a quelques années. Aujourd'hui, on est à plusieurs dizaines, avec des projets à plus de 100 km. Les câbles de télécommunication sous-marins, les gazoducs sous-marins, inutile de vous parler de Nord Stream, je pense que vous connaissez tous, et beaucoup plus inquiétant que les gazoducs, c'est l'énergéticien qui vous en parle, les câbles d'interconnexion électrique sous-marins, qui ne cessent de se développer. Aujourd'hui, la Baltique est un endroit particulièrement critique. Sans l'accès à l'électricité fournie par la Norvège et la Suède au travers de câbles sous-marins, câbles électriques, l'ensemble du secteur électrique du Danemark s'effondre. Et c'est le cas pour d'autres pays. Et toutes ces infrastructures dont je vous parle, toute cette criticité-là, se développe dans cette zone des eaux vertes, se développe de plus en plus loin des côtes. On n'est plus dans une zone littorale, on n'est plus à proximité des côtes, on n'est plus justement dans cette zone des eaux territoriales. On est
dans cette partie de zone économique exclusive où, en plus, l'application du droit et l'application de la force est beaucoup plus compliquée. Vous êtes dans des eaux territoriales. Dans des eaux territoriales, ce qui s'applique, c'est votre droit. Les eaux territoriales, elles ont, de manière globale, une assimilation à la terre. Vous pouvez faire à peu près, vous êtes un État, vous pouvez mettre à profit votre droit. Zone économique exclusive, vous n'avez pas de souveraineté sur une zone économique exclusive. Vous n'avez qu'une exclusivité de l'exploitation économique de la colonne d'eau et du fond. Comment, à ce moment-là, vous faites appliquer votre droit à cet endroit-là ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe demain ? Je pose une question, c'est une question de droit international que je pose de temps en temps à mes étudiants, à mes stagiaires à l'école de guerre. Je leur dis, voilà, demain, il se passe une attaque plus ou moins identifiée, plus ou moins identifiable sur une infrastructure énergétique en zone économique exclusive. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça déclenche les mécanismes de l'OTAN ? Est-ce que ça déclenche un article 5, par exemple ? La personne est capable de vous le dire, puisque techniquement, ce n'est pas le territoire français. Mais par contre, si demain, vous avez une rupture d'une infrastructure majeure, si demain, vous avez la coupure d'un parc éolien majeur dans cette zone-là, je peux vous assurer que l'impact, notamment sur le système énergétique, il est immédiat. Ça va tout de suite se voir et tout le monde va vite s'en rendre compte et ça va être un vrai problème. En plus, ces infrastructures critiques en eau verte se développent notamment avec une empreinte géographique qui est de plus en plus importante. Figurez-vous que les éoliennes offshore qui sont posées à partir de maintenant, je ne parle pas des éoliennes offshore des premiers modèles, je parle des modèles qui entrent en service maintenant, 15 MW de capacité à la pièce, dites-vous qu'une éolienne terrestre, celle que vous voyez notamment sur les voies du TGV, c'est 2 MW. Donc là, maintenant, on est à 15. 15 MW la pièce, ça fait la taille de la tour Eiffel. Et pour que le parc éolien fonctionne, il faut les poser à 1 km les unes des autres. C'est 3 fois le diamètre, hein, à peu près. Donc imaginez des parcs éoliens offshore à plusieurs dizaines, voire pour certains projets, plusieurs centaines d'éoliennes, posées à 1 km de distance les unes des autres. À sécuriser, à surveiller, à protéger, contre des menaces venant des airs, de la surface et d'en dessous. Eh bien, en fait, aujourd'hui, la réponse, elle est extrêmement simple. Le débat ne s'établit plus sur les eaux bleues contre les eaux brunes ou les eaux bleues contre les eaux brunes contre les eaux vertes. C'est tout à la fois. Voilà. Aujourd'hui, la stratégie navale ne peut pas faire l'impasse pour une puissance qui a des ambitions de gérer en même temps ces trois espaces. Avec des moyens qui sont bien sûr différenciés, mais de gérer en même temps ces trois espaces. La stratégie navale, par nature, aujourd'hui, doit articuler l'action dans les eaux brunes, dans les eaux vertes et dans les eaux bleues. Et le plus critique, ce sont les eaux vertes, c'est-à-dire celui qui est finalement le dernier arrivé, un petit peu, dans l'équation. Alors déjà, vous pourriez vous dire que c'est relativement compliqué comme ça. Je vous rassure, c'est que le début. Puisqu'à cette approche géographique horizontale, se mêle une approche verticale, qui est vraiment verticale pour le coup, de ce que les militaires appellent dans des acronymes qu'ils adorent, les actions M2MC pour multimilieu, multichamp. En fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le monde militaire tel qu'il est fait, on ne peut plus réfléchir à faire uniquement des actions qui soient des actions maritimes, des actions aéro-maritimes, c'est-à-dire qui articulent deux milieux que sont l'air et la mer, ou des actions amphibies qui articulent elles-mêmes deux milieux qui sont la terre et la mer. Aujourd'hui, quand on réfléchit aux actions militaires, dans toute leur complexité, on est obligé de les appréhender suivant l'ensemble de ces éléments-là, qui sont ce qu'on appelle des milieux et des champs. Alors c'est très simple, c'est des milieux quand ils sont physiques, c'est-à-dire quand ils préexistent à l'existence de l'homme et à son action. Donc tout ce qui préexiste à l'existence de l'homme et à son action, c'est très simple, c'est la terre, l'air, la mer, qui sont les trois milieux historiques, auxquels vous rajoutez l'espace, bah que l'être humain soit là ou soit pas là, il y a de l'espace, le spectre électromagnétique, que l'être humain soit là ou soit pas là, de toute façon, il y a un spectre électromagnétique. Et, vous verrez plus tard, tout ce qui est aussi sous la mer, puisque là aussi, que l'être humain soit là ou soit pas là, ça existe. Et à ça, on ajoute ce qu'on appelle des champs. Les champs, ils sont immatériels, c'est-à-dire ils ont été créés par l'homme, et ils ne s'appliquent qu'au travers et par l'homme, c'est le cyber, et le champ, ce qu'on appelle le champ des perceptions, c'est-à-dire en gros le cerveau humain, pour faire simple. Donc cette approche
multimilieu, multichamp, qui donc est consubstantiel aujourd'hui à l'ensemble des actions militaires, qui articule, alors peut-être pas la totalité des milieux et des champs à chaque fois, ça c'est un petit peu, j'allais vous dire, dans les fantasmes de la planification militaire parisienne, dans la réalité c'est souvent un peu plus prosaïque que ça, mais qui tout au moins essaie d'en agréger la plupart. Finalement, quand on les regarde et quand on regarde ça au prisme de la stratégie navale, de quoi est-ce que ça parle, toutes ces affaires-là ? Ben, c'est très simple. C'est que, comme je vous l'ai dit, rappelez-vous les invariants de la stratégie navale, vous avez ce problème de tyrannie des distances et du temps, vous avez ce problème d'immensité, vous avez ce problème de fluidité, et donc comment est-ce que ces milieux et ces champs, qui sont répartis, alors que moi, à titre personnel, je répartis en trois couches, je vais vous expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'il nous donne ou qu'est-ce qu'il nous empêche d'avoir par rapport à, justement, ces grands invariants de la stratégie navale. Parlons d'abord de la couche haute. La couche haute, donc, où moi, je réunis l'espace, le cyber, l'électromagnétique et les perceptions. Qu'est-ce que c'est que cette couche haute ? Quand vous la regardez dans le monde militaire, c'est très facile. C'est la couche du savoir et du faire savoir. C'est par là que va passer le renseignement, très majoritairement, par les satellites, par l'écoute électromagnétique, par le cyberespace. Et c'est là que, par là que vont passer les communications. Là aussi, majoritairement, les communications en mer, elles se font par le domaine satellitaire ou par le champ électromagnétique, ou par le milieu électromagnétique. Donc, le savoir, le faire savoir, le renseignement et les communications. Sauf que, aujourd'hui, la dépendance de la mer à l'espace est telle qu'en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. Puisque une force navale va utiliser l'espace, notamment, pour se diriger, pour se positionner. Je l'ai déjà dit, pour communiquer et se renseigner, ça j'en ai déjà parlé, et pour guider ses armes. Donc en gros, qu'est-ce que vous gagnez avec l'accès à la couche haute, ou qu'est-ce que vous perdez si vous ne l'avez plus ? C'est la précision. Précision de votre connaissance, précision de vos communications, précision de votre positionnement, précision de votre armement. C'est la couche de la précision. Celui qui domine la couche haute acquiert la précision. Maintenant, si je me mets en miroir et que je regarde la couche basse, dans laquelle, ce qui n'est pas la doctrine française, puisque dans la doctrine officielle française, la partie sous-marine et la partie fond marin sont mélangées. C'est-à-dire c'est un seul endroit. Moi, je sépare les deux volontairement dans mon approche intellectuelle. Je vous expliquerai pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans cette couche basse ? Cette couche basse, je vous l'ai dit, elle est marquée, en termes de déterminant stratégique, par l'opacité. Et, une fois de plus, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, le grand enjeu, finalement, aujourd'hui, ou plutôt la meilleure manière, plutôt le dire comme ça, d'aller porter atteinte à un capital ship, donc à un navire majeur de l'adversaire, un porte-avions, pour faire simple aujourd'hui, c'est par le sous-marin. Pour une raison simple, c'est que l'élément dimensionnant cette couche basse, en lien avec l'opacité, c'est l'incertitude. C'est une couche de l'incertitude. Vous ne pouvez savoir qu'un certain nombre de choses pendant un certain temps avec un cône de connaissance qui est plus ou moins étroit dépendant de vos capteurs. Mais vous ne pouvez pas avoir, contrairement à ce qui se passe à la surface des flots grâce aux capacités spatiales notamment, avoir une espèce d'image en temps réel de ce qui se passe partout sous la mer. Et donc, si à un moment vous ne dominez pas cette couche-là, vous êtes dans l'incertitude, donc ça réduit votre cône de possibilités pour faire autre chose. Donc vous êtes obligé d'allouer des moyens par rapport à ça, au risque sinon de tout perdre. Donc ce que vous gagnez, c'est de la certitude et de l'incertitude. Et finalement, quand je vais additionner ces deux couches, je vais additionner ma précision et je vais additionner mon incertitude, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Si j'ai la suprématie, ce qui a été le cas des Occidentaux pendant longtemps, ou si j'ai à minima la supériorité sur cette couche-là, je dilate ce qu'on appelle la bulle espace-temps que je suis capable de couvrir. Je suis capable de savoir plus vite que l'autre, de décider plus vite que l'autre, de me positionner plus vite que l'autre, d'agir plus vite que l'autre. J'ai l'initiative. Donc, en termes militaires du XXe et du XXIe siècle, je raccourcis ce qu'on appelle la boucle OODA. La boucle OODA, en fait, c'est quatre phases de décision militaire qui sont l'observation, je regarde ce qui se passe, l'orientation, j'oriente mes capacités, la décision, je décide de les engager, et l'action, je les engage.
bah, plus j'ai la supériorité, plus cette boucle OODA est courte, donc plus j'ai des chances d'avoir l'initiative, donc plus j'ai des chances de frapper le premier, donc bah, plus j'ai des chances de gagner. Pour une raison simple, comme le rappelait Winston Churchill, qui à l'époque était First Sea Lord. First Sea Lord, aujourd'hui, c'est le chef d'état-major de la marine, mais à l'époque, Winston Churchill l'était, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale et pendant une partie de la Première Guerre mondiale, c'était le ministre de la Marine. Et Winston Churchill a donné un discours qui s'appelle Naval Estimates, en mars 1912, devant la Chambre des communes, où en fait, il parle de stratégie navale. C'est un discours absolument fondateur, parce que tout ce que dit Churchill en 1912 est toujours valable aujourd'hui. Et Churchill, quand il parle de la guerre en mer, dit, et vous allez voir l'importance de cette histoire de boucle OODA, il dit, pour vous figurer un combat entre des forces navales modernes, donc du début du XXe siècle, ne vous figurez pas un combat entre chevaliers en armure, figurez-vous un combat entre des coquilles d'œufs qui se frappent avec des marteaux. D'où le but de frapper fort, frapper le premier et continuer à frapper. Et on regarde ça, et c'est toujours le cas, et ça a été de pire en pire depuis 1912. Aujourd'hui, le différentiel entre l'attaque et la défense en mer n'a jamais été aussi grand en faveur de l'attaque. Jamais. Entre la portée et la précision des armes offensives en comparaison de la portée et de la précision des armes défensives, rien de comparable. Ça ne veut pas dire que celui qui frappe le premier va toujours gagner. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ça veut dire que celui qui frappe le premier prend un avantage extrêmement net, beaucoup plus fort en mer qu'il ne l'est à terre ou qu'il ne l'est dans les airs. D'où l'importance absolument fondamentale d'être capable d'articuler cette action entre les trois couches. Et de dire, en fait, j'ai besoin d'avoir la supériorité et en haut et en bas. Parce que sinon, la supériorité au milieu, je ne l'aurai pas. Et donc, vous vous rendez compte que là, je parle de mer, on parle de stratégie navale, mais la stratégie navale, elle doit donc s'intéresser à l'espace, elle doit donc s'intéresser au cyber, elle doit s'intéresser à l'électromagnétique, elle doit s'intéresser absolument à tout. Avec des choses qui aujourd'hui évoluent très vite, qui aujourd'hui s'ouvrent. Vous voyez, j'ai mis le fond marin. Et fond marin aujourd'hui, c'est le dernier espace inconnu de l'homme. On connaît mieux l'espace extra-atmosphérique qu'on connaît les fonds marins. Vous avez moins de 3% des fonds marins qui aujourd'hui sont cartographiés précisément à la surface de la planète. C'est le dernier, j'allais dire, c'est la dernière frontière. Elle n'est pas dans l'espace, elle est sous la mer. Et ça veut dire aujourd'hui que celui qui a la capacité de connaître, de surveiller et d'agir dans le fond des mers, bah celui-là, il prend un sacré avantage sur les autres. Et pour l'instant, on est plus dans l'incertitude, ça tombe bien, que dans la réalité. Et vous voyez ? Alors, approche horizontale, approche verticale, bien évidemment, vous vous dites, bah, à la fin, ça va finir en croisant les deux parce que sinon c'est pas drôle. Bien évidemment. Et aujourd'hui, on regarde, on travaille en stratégie navale, enfin c'est mon travail, d'écrire la stratégie navale de la marine, à regarder comment ce croisement des approches s'applique sur les différents types d'opérations ou les différents types de menaces auxquelles on doit faire face. Le déni d'accès. Voilà, comment est-ce que je fais aujourd'hui? Si l'accès à une zone maritime ou terrestre m'est dénié, comment je fais pour rouvrir un accès ? Vous n'aura pas échappé que la France est en train très gentiment de se faire pousser en dehors d'Afrique. Donc notre accès permanent terrestre, notre présence terrestre, est remise en cause. Si demain il faut retourner en Afrique, pour des tas de raisons, il faudra peut-être recréer un accès. Et peut-être que cet accès se recréera par la mer. Si demain on doit intervenir dans un certain nombre de territoires éloignés, il faudra créer de l'accès ou recréer de l'accès. Qu'est-ce qui se passe demain si un pays quelconque, plein d'hypothèses en tête, rassurez-vous, à l'étude prospective générale, on s'amuse à imaginer tout ce qui est possible et tout ce qui est moins possible. Si demain, un pays fait une action de vive force sur un territoire polynésien. Voilà. Si demain, on a un pays compétiteur qui arrive... qui débarque sur un atoll polynésien, qui plante le drapeau et qui dit « maintenant, je suis chez moi ». Et qui met des forces navales autour pour nous empêcher de revenir. Ben, il faudra recréer un accès. Et au contraire, comment est-ce qu'on dénie l'accès aux autres ? Comment est-ce qu'on les empêche de venir faire ça ? Ou comment est-ce qu'on les empêche d'avoir l'idée de venir faire ça ? C'est ça aussi. Autre problème.
le combat dit hybride. Voilà ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la possibilité éventuelle que demain, un acteur plus ou moins déclaré, plutôt pas déclaré du tout, s'amuse à venir faire une petite action un peu sympathique sur un parc éolien offshore à 150 km des côtes. Tout en revendiquant, mais sans vraiment revendiquer. Et ben là, on est dans le combat dit hybride. On est dans ce que les anglo-saxons appellent « hybrid warfare ». C'est-à-dire l'utilisation de moyens non militaires, paramilitaires, en dehors du cadre d'un conflit ouvert. Comment on fait face à ça ? Avec, vous le voyez bien aujourd'hui, c'est l'avantage, c'est que l'actualité me sert très fortement, la prolifération technologique auprès d'acteurs non étatiques ou para-étatiques. Si on pense à la mer Rouge, la capacité d'accéder à des capacités en drone, bien évidemment, mais aussi la capacité à accéder à des capacités spatiales. Une partie du renseignement des outils, c'est du renseignement spatial. Voilà. Donc ça veut dire que quand même, aujourd'hui, si eux peuvent y accéder, c'est que n'importe qui peut y accéder. Je peux même vous faire une démonstration, vous allez voir, c'est assez drôle. C'est payé sur fonds européens, totalement gratuit et accessible en ligne. Pour n'importe qui sur la planète. Voilà. Comment on fait face à ça ? Monter en gamme, monter en capacité d'acteurs étatiques, d'acteurs para-étatiques, d'États qui pourraient avoir envie de mener des actions mais sans trop les déclarer. Voilà. Et une fois de plus, avec cette croissance de la criticité des infrastructures dans les eaux vertes. Le combat d'interface, le combat aéro-maritime, notamment avec l'utilisation des porte-avions, on en a parlé. On pourra y revenir si vous voulez. Le combat amphibie. Comment on imagine demain le combat amphibie en regard de ce que je vous ai dit sur la létalité dans les eaux brunes ? Est-ce que demain, il est réaliste d'envisager un 6 juin 44 ? Ou un débarquement d'Incheon pour faire le dernier grand débarquement militaire un petit peu traditionnel qui a eu lieu dans l'histoire ? C'est probablement totalement irréaliste aujourd'hui. Eu égard à la capacité de frappe de la terre vers la mer, de connaissance, d'anticipation telle qu'elle a évolué. La dissuasion, elle se fonde avant tout sur le principe d'opacité de ce qui est sous la surface. Qu'est-ce qui se passe si demain cette opacité est remise en cause ? Qu'est-ce qui se passe si demain on a une prolifération extrêmement rapide, contrôlée ou non, de drones sous-marins plus ou moins autonomes qui n'auront pas à la fois, un, les mêmes coûts et deux, les mêmes limitations techniques que des sous-marins habités. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'invulnérabilité des SNLE est toujours assurée ? Elle est assurée aujourd'hui dans l'environnement stratégique tel qu'il existe. Demain, dans un environnement stratégique bouleversé, notamment par la robotisation rapide et massive, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça ? Pour vous donner une idée, aujourd'hui, en Norvège, vous avez, j'en avais discuté avec le chef d'état-major de la marine norvégienne l'an dernier, 600 drones sous-marins privés qui nomadisent, appelons ça comme ça, autour des plateformes pétrolières et gazières offshore de la Norvège, qui appartiennent à des opérateurs pétro-gaziers. Et vous avez quand même 600 drones qui ont des capacités de détection optique, de détection sonar, etc., qui sont en fait là pour l'entretien des plateformes offshore, parce que ça coûte moins cher d'utiliser du drone que d'utiliser du plongeur. Résultat, vous avez quand même 600 drones sous-marins qui traînent dans ces zones-là. Peut-être commencer à créer des petits problèmes. Et enfin, la question de savoir, la bataille décisive en mer, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça existe toujours ? Est-ce que c'est un concept qui est éculé ? Est-ce que demain, ça peut revenir ? Question. Réponse, j'en sais rien. Mais réponse, l'histoire nous donne parfois des petites indications. Et moi, j'aime beaucoup me rappeler la bataille de Lépante en 1571. Et vous allez voir pourquoi. Bataille de Lépante en 1571. La flotte chrétienne rase complètement la flotte ottomane. Détruite à plus de 80%, des centaines de navires complètement détruits. C'est la grande victoire de la chrétienté. C'est la première fois que la flotte chrétienne, enfin que les pays chrétiens d'Europe, réussissent à vaincre les Ottomans en mer, parce que sinon ils prenaient que des roustes. Et Lépante est célébrée à travers toute l'Europe comme étant la victoire, la grande victoire, celle qui a changé le monde. À son époque, elle est vue comme ça.
Un an après les Pentes, les Ottomans ont reconstitué leur marine. Quelques années plus tard, ils prennent l'île de Chypre. Et un peu plus d'une dizaine d'années après les Pentes, justement, revenant sur cet épisode-là, le grand vizir ottoman aura cette phrase auprès de l'ambassadeur de France, auprès de la Sublime Porte. Il lui dira « À les Pentes, vous nous avez brûlé la barbe. À Chypre, nous vous avons coupé un bras. La barbe, ça repousse, pas les bras. » Pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là ? C'est parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, on parle de réarmement naval, donc vous voyez, je boucle un petit peu la boucle. Vous regardez la croissance de la marine chinoise, vous regardez le maintien, nolens volens, de la marine américaine et des marines alliées aux États-Unis, et bien évidemment, Pierre parlait de wargaming en début d'introduction, je suis le responsable des wargames de la marine. Les États-Unis passent leur temps à jouer des wargames, justement, sur un potentiel affrontement naval américano-chinois au niveau de Taïwan, ce qui ne vous surprendra pas. Et le résultat de ces wargames, au moins le résultat tel qu'il est rendu public, fait état, évidemment, de la bataille décisive, je vous l'ai dit un petit peu, de la manière dont Churchill la définissait en 1912, c'est-à-dire énormément de pertes. Les Américains perdent 3 à 4 porte-avions. On parle de centaines de navires coulés si on additionne des deux côtés. Mais à la fin des fins, les États-Unis ont gagné et finalement, Taïwan n'est pas pris. Très bien. Sauf que, chaque année, pardon, tous les deux ans, ou plutôt le renverser, tous les deux ans, la Chine met en construction l'équivalent en tonnage de la marine nationale. Sauf que, à la fin de la guerre froide, il y avait 24 chantiers navals militaires aux États-Unis, aujourd'hui il en reste 7. Sauf que, le Lépante du 21e siècle sera peut-être une victoire tactique américaine, mais je pense que 18 mois plus tard, la situation ne sera plus la même. Et donc la stratégie navale, elle ne se pense pas que dans l'instant de la bataille, elle ne se pense pas que dans l'affrontement, elle se passe dans l'amont, elle se passe dans la formation, elle se passe dans l'aval, elle se passe dans l'entretien, elle se passe dans la capacité à maintenir les navires et les hommes en condition, à reconstruire, à reconstituer des stocks. Aujourd'hui, on parle d'économie de guerre en France. Si vous regardez les États-Unis, ils sont passés dans le mode naval sur un mode d'économie de guerre, à être obligés d'aller reconstituer artificiellement, et Dieu sait que c'est compliqué avec le système politico-économique américain, des chantiers navals de manière très rapide, justement pour être capable de faire face à ces scénarios-là. Et le premier enseignement de ces wargames, ça a été immédiatement que les États-Unis sont allés contractualiser avec le Japon et la Corée du Sud, puisque ce sont les deux derniers grands pays d'Asie à avoir de très grosses capacités de construction navale, pour que les chantiers navals sud-coréens soient capables d'entretenir les unités majeures américaines. Donc attention au piège de Lépante, qui est quand même le piège conceptuel qui guette le plus aujourd'hui les marines. Et donc à la fin, j'en arrive là-dessus, sur l'art du commandement. Finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui commander à la mer dans cette configuration-là? Qu'est-ce que ça demande comme qualité au chef? Ça lui demande deux qualités. À une époque où on ne parle pas de transparence de ce qui est sous la mer, mais on a quand même une transparence de ce qui est au-dessus de la mer. Rappelez-vous, la tyrannie des espaces et du temps, la capacité de renseignement par l'espace, etc. Sa première qualité, c'est l'imprévisibilité. Parce que si je suis capable de savoir où se situe précisément une force navale, je ne suis pas capable de me projeter dans la tête de son chef. Et finalement, c'est l'humain qui va faire la différence. Et ce n'est pas la technique. Donc c'est l'imprévisibilité de l'amiral, du commandant de force navale, qui, à la fin des fins, va emporter la décision. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième qui va avec celle-là, c'est la pugnacité. Parce qu'une fois de plus, oui, il y a une prime à celui qui prend des coups, pardon, à celui qui donne les coups en premier. C'est vrai. Mais à la fin des fins, celui qui gagne, c'est celui qui reste sur le ring. Pendant la Première Guerre mondiale, d'ailleurs, tiens, situation totalement analogue à ce qu'on vit aujourd'hui, quand vous prenez 1914... La flotte allemande de 1914, c'est à peu près la flotte chinoise d'aujourd'hui, et la flotte américaine, pardon, la flotte britannique de 1914, c'est à peu près la flotte américaine aujourd'hui. C'est-à-dire d'un côté, une croissance très rapide d'une marine, très technologique, avec beaucoup d'unités très récentes, mais pas d'habitude d'utilisation, marine historiquement côtière qui se rêve un peu en marine globale, et de l'autre côté, marine plutôt ancienne, très assurée, un petit peu en déclin, et surtout en
infériorité locale. Et c'est aujourd'hui, vous prenez, hein, à l'époque, c'est la Royal Navy contre la flotte impériale allemande. Aujourd'hui, c'est l'US Navy contre la flotte chinoise. Et que se passe-t-il pendant la Première Guerre mondiale? Que se passe-t-il pendant la bataille du Jutland? Si vous regardez, à qui gagne tactiquement, ce sont les Allemands. Les Allemands ont infligé plus de pertes aux Britanniques qu'ils n'en ont subi. Sauf que, à la fin des fins, les Britanniques ont dit « c'est nous qui resterons ». Et parce que les Britanniques ont l'habitude du combat, parce qu'ils ont la pugnacité, qu'ils vont continuer à démontrer exactement de la même manière pendant la guerre des Malouines, en perdant des frégates à 7000 km de chez eux, et en continuant les opérations, bah à la fin des fins, la marine allemande rentre au port et ne sort plus de la guerre. Et les Britanniques restent maîtres de la mer. L'imprévisibilité, la pugnacité. C'est aujourd'hui les grandes qualités du commandement à la mer. Et donc vous voyez avec tout ça, quand on va mélanger tous ces éléments, je vous ai parlé de stratégie navale, mais finalement on touche à tout, tous les champs, tous les milieux, toute la planète, la technologie, l'humain. L'un n'est rien sans l'autre, et inversement. Merci. Vous avez parlé donc en dernier ressort des qualités RH du commandement. Alors je vais poser une question un peu provocatrice. Et j'ai eu l'honneur de servir dans la marine, donc autant tous ceux qui me connaissent ici savent que ma passion pour la marine est intacte. Mais est-ce qu'il y a véritablement dans nos états-majors actuels, dans la marine, une prise de conscience de ces qualités indispensables qui, historiquement parlant, font partie de celles des commandants britanniques, c'est-à-dire la hargne, la pugnacité et la surprise. Est-ce que vous pensez que la marine nationale est en train de s'approprier ces qualités? Merci. Alors, je vais être tout à fait honnête, oui. Mais le mot important que vous avez prononcé, c'est « en train de ». En train de. On le voit avec Polaris. Voilà. On est revenu à ça aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on n'avait plus. Et aujourd'hui, quand vous regardez, enfin moi, c'est un truc qui me frappe en tant qu'à la fois marin et non marin, c'est l'avantage d'être un peu schizophrène, c'est que l'identité de l'officier de marine, aujourd'hui, dans les marines occidentales et dans la marine nationale, elle est triple. L'officier de marine, il est ingénieur, il est marin et il est militaire. Et de ma perception très personnelle, l'erreur, peut-être pas l'erreur, c'était la situation du moment qui commandait ça, a été, au fur et à mesure, de survaloriser l'identité d'ingénieur au détriment des deux autres. Or, quand vous regardez bien, les trois identités, ou plutôt l'identité d'ingénieur vis-à-vis des deux autres, et notamment vis-à-vis, en partie, de ce que je vous ai dit sur les qualités du chef militaire, pour moi, elles sont antagonistes. Parce que l'identité d'ingénieur, c'est « je suis orienté par rapport à la répétition d'un certain nombre de processus éprouvés, avec par nature une aversion au risque ». Je tire volontairement la pelote jusqu'au bout. Et aujourd'hui, il faut modifier un certain nombre de choses par rapport à ça. Et c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait dans les entraînements. C'est ce qu'on fait à d'autres niveaux de formation. C'est ce qu'on essaie de refaire au niveau de formation initiale des officiers. Mais oui, on est en train d'eux. Mais il faut remettre ça à plat. Je ne dis pas qu'il faut abandonner l'identité d'ingénieur. Bien au contraire, la complexité des navires n'a jamais été aussi forte qu'aujourd'hui. Donc on ne peut pas l'abandonner. Mais par contre, il faut qu'on revienne plus fort sur les deux autres, et donc réarticuler le triptyque. Aujourd'hui, on a un triptyque qui a été très déséquilibré. Maintenant, il faut revenir au barycentre. Mais oui, on est en train de le faire. J'espère que ça continuera. J'espère que ça marchera encore. Mais il y a une vraie appétence pour ça. Et une fois de plus, parce qu'aujourd'hui, on est dans une époque où tout le monde a conscience dans la marine que le réarmement naval, c'est pas une blague. C'est vraiment pas une blague. Et que demain, ça peut arriver très vite. Bonsoir et merci pour cette intervention. Justement, pour continuer sur l'humain, on a entendu dire que certains bateaux de la marine britannique ne pouvaient pas sortir par manque d'équipage.
Donc, quelle est votre vision par rapport à ça? On a parlé du commandement, mais il y a aussi les forces à tous les niveaux d'un équipage. Donc, qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette problématique-là du recrutement et du maintien des équipages? Merci. Alors ça, vous touchez au problème des armées, de toutes les armées, qu'elles soient françaises, étrangères, que ce soit la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, etc., et avec des contraintes encore plus particulières qui sont les contraintes de la vie de marin. Oui, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème aujourd'hui, mais qui touche tout le monde. Et c'est pour ça aujourd'hui, bon, dans le cas de la marine nationale, qu'en fait, on essaie de faire évoluer le plus rapidement possible le modèle RH pour qu'il prenne en compte justement toutes ces contraintes. C'est par exemple le cas des frais à double équipage, justement pour permettre en fait aux gens d'avoir une vie qui soit une vie un peu plus, qu'on a une vie de famille plus facile à gérer pour ça. Mais ça touche toutes les marines. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand on réfléchit en prospective sur les 20, les 30 prochaines années, en fait, on se rend compte qu'on va devoir bouleverser notre modèle RH complètement. Aujourd'hui, vous avez des générations, celles actuelles et qui arrivent, qui ont de plus en plus de problèmes de vue, qui ont une masse musculaire qui diminue, qui ont de plus en plus de problèmes de lombalgie, qui sont dus à la vie, parce qu'aujourd'hui, bah voilà, vous avez moins d'activité à l'extérieur, les gens sont plus souvent sur des écrans, ont plutôt l'habitude de travailler assis, etc. Et donc, il faut aussi qu'on soit capable de penser les équipages, les navires, la manière en fait de gérer tout ça, de manière de plus en plus profonde. Alors les Britanniques, en plus, ils ont libéralisé des tas de trucs. Donc en fait, ils nous ont montré surtout la voie à ne pas faire, parce qu'en fait, ils ont libéralisé plein de choses, notamment dans leur système d'alimentation, où ils donnent pas assez d'argent aux gens pour se nourrir, et vous en avez la moitié, enfin en gros, vous en avez un tiers qui est en sous-alimentation, et un tiers qui est obèse. Donc c'est pas une blague, hein, c'est vraiment le cas, et c'est une politique RH qui malheureusement a fait beaucoup de dégâts au Royaume-Uni, mais par exemple, les Chinois se sont rendus compte qu'ils avaient énormément de problèmes de recrutement dans leur aéronaval. Et donc, ils ont été obligés, il y a quelques années, d'abaisser en fait les exigences pour la vue sur les pilotes de l'aéronavale chinoise, parce que sinon, ils n'arriveraient jamais à recruter. Donc, qu'est-ce que ça veut dire abaisser les exigences de la vue? Est-ce qu'on fait s'adapter le système d'armes? Est-ce qu'on demande pour les prochaines générations d'équipements à ce que les choses soient un peu plus adaptées? C'est une réflexion qui est globale. Mais on sait que globalement, les difficultés RH, a priori, s'il n'y a pas une modification, et une fois de plus, je ne parle pas que pour la marine nationale, je parle pour toutes les armées de l'ensemble de la planète, on va sur des difficultés de recrutement qui vont être de plus en plus fortes. Donc, il y a une nécessité d'adapter les outils, les équipements, les matériels, les carrières en permanence, et c'est l'un des plus gros, aujourd'hui, axes de travail de la marine. On a souvent l'impression que la marine, comme je disais, c'est une armée très techno, qui travaille beaucoup les bateaux, les capacités, les choses. En fait, la capacité numéro un qu'on travaille, c'est l'humain. Parce que comme disait l'amiral Mahan, qui est l'un des très grands penseurs de la stratégie navale, des bateaux sans équipage, ça sert à rien, quoi. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pensez que nous rentrerons bientôt, ou que nous sommes peut-être déjà dans une forme de nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Chine, qui se retranscrirait plus sur le niveau maritime que spatial à l'époque? Alors, la partie spatiale de la guerre froide était certes une partie importante, mais n'était pas le cœur de la guerre froide. La guerre froide était un phénomène qui était quand même multidimensionnel. Est-ce qu'on est sur une nouvelle guerre froide? Alors, c'est très compliqué à dire, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc voilà. À mon sens, non, pour une raison simple, c'est qu'à l'origine, la guerre froide, quand on la regarde dans une vision très 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 macro, elle a deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle est pensée pour être eschatologique, donc ça veut dire qu'elle est pensée pour durer jusqu'à la fin des temps par l'anéantissement d'un des deux. Aujourd'hui, surtout pas les Chinois, et je pense pas les Américains, sont dans cette vision-là de l'autre. Donc déjà, première différence. Deuxième différence, la guerre froide, c'est quand même deux systèmes qui sont totalement cloisonnés l'un par rapport à l'autre. Économiquement, en termes de communication, en termes de tout ce qu'on veut. C'est vraiment deux blocs, et des blocs au sens quasi étanche du sens. Il faut attendre la conférence d'Helsinki en 73 pour qu'il y ait vraiment une création de liens entre les deux blocs. Aujourd'hui, on est dans un système qui est tellement interconnecté, tellement interdépendant, qu'on ne peut pas arriver à ça, pour le moment. Une fois de plus, je ne sais pas de quoi sera fait l'avenir, la prospective n'est pas de la futurologie, je ne suis pas médium, mais en l'état,
on ne s'oriente pas vers ça. Je vous prends un exemple. Pour sortir, par exemple, de l'américano-chinois, où là, on n'est pas sur une... On n'est pas sur une compétition extrêmement forte. Prenons l'américano-russe. Là, on peut dire, bah là, c'est quand même beaucoup plus tranché. Sauf que, si vous regardez, bah, typiquement, l'ensemble du système industriel américain ne peut pas se passer des approvisionnements russes en métaux stratégiques. Et de la même manière pour les Européens. Et donc, vous regardez les paquets de sanctions de l'Union européenne et les paquets de sanctions des États-Unis, les métaux stratégiques n'en font pas partie. Alors que pour le coup, le cloisonnement devrait être beaucoup plus fort, parce qu'il y a un antagonisme qui, là, est quasiment viscéral. Ben pourtant, on n'en est pas là. Parce que ces 30 années de dividendes de la paix ont créé une mondialisation qui est une interconnexion absolue et qui fait qu'aujourd'hui, créer ou recréer une étanchéité, ne serait-ce que commerciale, absolue, serait quasiment impossible. Ou se ferait à des coûts qui seraient absolument monstrueux. Donc c'est pour ça que moi, le comparatif avec la guerre froide, pour moi, ne se pense pas comme ça. Par contre, on est clairement sur deux États, les États-Unis et la Chine, qui ont des ambitions globales. Ce qui n'était pas forcément le cas de l'URSS à cette époque-là. Donc on a un positionnement qui est pas le même. Donc la composante maritime globale, et quand je dis globale, c'est vraiment sur tous les océans de la planète, est a priori beaucoup plus forte, ou pourrait être beaucoup plus forte, qu'elle ne l'a été. Mais une fois de plus, en prenant toutes les précautions d'usage et sans connaître le futur. Oui, bonsoir, merci pour votre conférence, très intéressant. Je voulais savoir s'il ne faudrait pas investir massivement dans le renseignement, puisque vous avez expliqué qu'il y a des nouvelles formes de conflictualité avec des dénis de drapeaux. Qu'en est-il des réflexions menées sur le sujet dans la stratégie navale, justement ? Merci. Alors, évidemment, je vais vous répondre oui. Parce que c'est le cas, premièrement. Alors, un, parce que c'est une réponse facile, et deux, parce que c'est le cas. Mais je vais pondérer tout de suite ma réponse. Et je vais vous prendre un exemple par rapport à ça. Je vous ai parlé de boucle OODA, donc observation, orientation, décision, action. Donc le renseignement, on pourrait dire que c'est les trois premières phases de la boucle. A priori, bon, peut-être pas la phase décision, mais observation, orientation. Très bien. Et aujourd'hui, se pose la question, en termes de stratégie, de savoir si, demain, un déni d'accès sous-marin deviendrait possible. On a beaucoup parlé depuis une vingtaine d'années de ce qu'on appelle les stratégies de déni d'accès aérien, ce qu'on appelle l'A2AD, Anti-Access Area Denial, donc la capacité à créer un espace aérien qui soit plus ou moins étanche, où dès qu'un aéronef ennemi ou supposé ennemi s'approcherait, il serait abattu. Et donc, il y a des réflexions là-dessus pour se dire, tiens, est-ce qu'aujourd'hui, en l'état de l'évolution de la technologie, on ne serait pas capable, à un moment, dans un horizon indéterminé, mais pas forcément si lointain que ça, de créer la même chose sous la mer. Donc créer des zones sanctuarisées. Plein de pays travaillent là-dessus, les Chinois travaillent là-dessus, ils appellent ça la Grande Muraille sous-marine. De toute façon, dès que les Chinois font un truc, ils appellent ça la Grande Muraille. Les Américains bossent aussi énormément là-dessus avec des systèmes qui sont soit des systèmes hérités de la guerre froide, comme le réseau SOSUS, soit des systèmes qui développent aujourd'hui, comme le réseau TRAPS. Bref, je passe là-dessus. Sauf que, on se rend compte aujourd'hui que si jamais on arrivait à développer un système comme ça, ben on ferait de l'observation, on ferait de l'orientation, on ferait peut-être de la décision, mais on n'arriverait pas à faire de l'action. Parce que sinon, ça voudrait dire qu'il y a des effecteurs sous-marins partout, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas et pour l'instant n'est pas envisageable. Donc pour répondre à votre question en partant de cet exemple-là, faire effort sur le renseignement, oui, mais à la fin des fins, c'est action. Donc oui, on ne peut pas agir si on ne sait pas sur quoi agir. Mais l'idée, c'est que si je déshabille Paul pour habiller Pierre et que je déshabille ma partie action pour habiller ma partie observation-orientation, bah ça ne va pas le faire non plus. Et c'est vraiment, en fait, c'est l'équilibre. On est toujours dans une notion d'équilibre et dans une notion de c'est toute la boucle qui marche. Je ne peux pas enlever une brique ni au milieu, ni au début, ni à la fin. Ou pas trop la déséquilibre en tout cas. Bonsoir, merci pour votre présentation, votre conférence. J'aurais une question concernant le réchauffement climatique qui pourrait engendrer la fonte des glaces et la réouverture des canaux de navigation au Grand Nord. Mmh. Est-ce que ça peut créer un déséquilibre mondial de réouvrir là-haut et donc de priver des pays du Sud de la manne du commerce actuel ?
Alors plutôt d'ouvrir là-haut, si je vais là, puisque ça n'a jamais été ouvert. Les routes du Nord, soit la route du Nord-Est ou la route du Nord-Ouest, sont restées historiquement plutôt des fantasmes. Alors oui, effectivement, on lit souvent ça. Et si on regarde en termes de sciences climatiques, alors là c'est intéressant parce que ça nous fait nous déporter un petit peu vers les questions des sciences climatiques. Imaginons, ou pas imaginons, la fonte des glaces va finir par arriver, elle est déjà en cours. Mais quand elle sera arrivée à un tel point que ces routes seront navigables, sous-entendu, ne seront plus prises suffisamment longtemps dans la glace par an, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que vous aurez mécaniquement, en conséquence de ça, une multiplication des événements climatiques extrêmes dans la même zone. Donc, c'est pas parce que vous pourrez passer, parce qu'officiellement, il y aura moins de glace, que vous pourrez passer tout court, parce que vu que vous allez vous prendre en permanence des tempêtes dans cette zone-là, on sera capable de naviguer. Donc déjà, premier problème, c'est pas parce que vous avez de la glace que la navigation, elle est plus facile. Au contraire, il risque plutôt d'y avoir un phénomène qui compense l'autre. Et la deuxième chose, c'est, très bien, mais cette route du Nord, elle va être gérée par qui? Par les Russes. Sauf qu'aujourd'hui, la Russie n'a plus les capacités d'investir là-dedans, plus du tout. Elle les a eues pendant un moment, elle a commencé à développer des choses, mais qu'à un cas, parce que c'était en fait des efforts financiers qui étaient quasiment en dehors de sa portée, avait commencé à développer des choses à Pevesque, etc., avait développé des technologies et des petites implantations portuaires. Mais en fait, avec un réseau logistique qui est totalement inexistant dans cette zone-là, je rappelle que la Russie, c'est le pays le plus étendu du monde, avec un réseau logistique quasiment inexistant une fois que vous avez passé l'Oural, à l'exception du Transsibérien. Et là, il n'y a rien là-haut. Donc ça veut dire qu'il va falloir tout redévelopper, enfin plutôt tout développer à partir de zéro, dans une zone qui va être soumise à des aléas climatiques extrêmes, par un pays à qui peu de gens font confiance, quand même, être honnête, et qui n'a plus les moyens d'investir. Donc vous voyez qu'en fait, quand je mets bout à bout tous mes déterminants, et pas que le déterminant climatique, mais aussi les déterminants économiques, géopolitiques, technologiques, etc., je ne veux pas vous dire que ça n'arrivera pas, mais la probabilité pour que ce soit un game changer mondial de dire, bah, en fait, parce que le trajet est plus court entre la Chine et l'Europe en passant par en haut plutôt qu'en passant par en bas, tout le monde va passer par en haut, il est quand même assez peu probable. Une stratégie navale, pas plus qu'une stratégie militaire quelconque, serve une politique au niveau européen. Avez-vous le sentiment qu'il y ait une vision politique européenne et une volonté surtout d'appliquer une politique européenne dans ce domaine? Alors, votre question est un peu compliquée parce que la stratégie présuppose le fait d'avoir la volonté d'agir militairement quelque part. Réponse, non. Mais pour une raison simple, c'est marqué dans le traité, article 42, alinéa 7 du traité sur l'Union européenne. Pour les pays qui en sont membres, l'OTAN demeure leur principal système de défense. Tant que le traité européen sera libellé comme ça, l'article 42, donc qui est l'article qui crée la politique européenne de sécurité commune, donc qui inclut le volet militaire de l'Union européenne, tant que le traité sera libellé comme ça, la défense de l'Europe sera très majoritairement assurée par l'OTAN. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un rôle pour l'Union européenne, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un travail de coopération entre l'Union européenne et l'OTAN, qui est ouvert depuis 2014. À chaque fin de sommet de l'OTAN, vous avez ce qu'on appelle la Joint Doorstep Declaration, donc vous avez les dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN, donc secrétaire général d'un côté, et côté européen, c'est président de la Commission, président du Conseil, etc., qui font des déclarations communes et qui engagent des projets de travaux en commun. Mais, pour le coup, le traité européen est très clair sur le fait que l'Union européenne, ce n'est pas la vocation première de l'Union européenne, et que quand l'OTAN existe en même temps que l'Union européenne quelque part, c'est l'OTAN le système de défense. Donc c'est plutôt, en fait, quand on doit le penser au niveau otanien, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas imaginer un pilier européen de l'OTAN, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas imaginer une prégnance des questions navales dans ce pilier européen de l'OTAN, conviction personnelle, mais tant que ça existera, vous ne pourrez pas, par nature de l'Union européenne et par nature du traité européen, avoir quelque chose qui soit décorrélé de l'OTAN, une fois de plus, puisque l'OTAN est dans le traité.
J'ai juste une question un peu à la fois technique et qui est liée à la stratégie et au RH. Aujourd'hui, tous les pays qui font vraiment la guerre, et sérieusement, ont réussi à transformer leur armée de l'air pour faire en sorte qu'un tiers des effecteurs environ soient des drones. Donc, avec ce que tu nous as dit, est-ce que l'avenir, finalement, pour les marines, pas la nôtre, mais les marines en général, qui font toutes, qui ont toutes des gros problèmes de RH, est-ce que l'avenir c'est de la marine, c'est pas les drones, justement? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, une fois de plus, merci pour ta question. Une fois de plus, oui et non, c'est toujours pareil. C'est oui, c'est l'avenir. C'est l'avenir parce que donc les drones 3 milieux, hein, c'est-à-dire les drones air, les drones surface et les drones sous-marins. L'intérêt, c'est quand on les pense, notamment en petite taille, parce que les Américains classent les drones par taille. Hein, donc bon, je vais rester dans cette logique américaine parce que je la trouve extrêmement intéressante. Quand on pense aux drones de petite taille, on peut se dire, tiens, ça peut être intéressant sur une frégate d'avoir des petits drones sous-marins qu'on peut lancer par des tubes à torpilles et qui vont donc créer une zone de couverture, par exemple, si on les dote de capteurs pour faire de l'anti-sous-marin, une zone de couverture anti-sous-marine beaucoup plus importante. De la même manière, on peut imaginer que soit servi à une frégate des petits drones de surface qui puissent permettre de la protéger, soit en portant des capteurs, soit en portant des effecteurs, par exemple, pour venir la protéger d'une attaque de drones saturant. On peut imaginer des choses comme ça. Et donc, en fait, la zone couverte par le navire, donc ma bulle espace-temps couverte par le navire, devient plus importante si on lui met des drones asservis. Donc, réponse, oui, ça peut être intéressant. Seulement, réponse non là aussi, c'est que le drone ne peut pas être pensé, et c'est une faillite intellectuelle de le faire comme ça, comme une réponse à des problèmes RH. Toutes les armées qui ont pensé le drone comme une réponse à des problèmes RH se sont heurtées à un problème très simple, c'est que quand on robotise, on déplace la RH du système habité vers le MCO et les centres de commandement. Ça veut juste dire qu'en fait, on déplace de la RH. Et parce que ces drones, il faut les entretenir. Et le principe d'un drone, c'est qu'on va l'utiliser très souvent. Donc plus on va l'utiliser souvent, plus il va falloir l'entretenir. Donc plus la partie du maintien en condition opérationnelle du drone va être importante. Donc plus la partie d'investissement sur la mécanique, les pièces détachées, le rechange, l'entretien va devenir importante. Et de la même manière, ce drone qu'on va utiliser en permanence, il va donc remonter, mettons, des images. Si on prend le cas des drones aériens, il va remonter des images vers des centres de commandement. S'il remonte des images vers des centres de commandement, il faut bien qu'il y ait en permanence des gens pour recevoir, traiter et agir par rapport à ces images. Donc en fait, ça déplace juste le stress RH de l'amont vers l'aval. Voilà. Donc, oui, c'est important. Oui, ça peut permettre de faire plein de choses. Mais sûrement pas dans une perspective de dire on va faire des économies RH. C'est juste qu'on va déplacer le problème RH du point A au point B. Mais on va se retrouver avec un problème RH à la fin. Problème RH qui, d'ailleurs, va être surmultiplié potentiellement. Raison simple, imaginons, demain, vous mettez des drones à propulsion électrique partout. Bah, ça veut donc dire que demain, il faut que vous multipliez de manière exponentielle les gens qui sont capables d'entretenir des moteurs électriques. Or, aujourd'hui, dans les forces armées, la capacité d'entretien des moteurs électriques, c'est un truc sur lequel, par exemple, pour des tas de raisons, on est en sous-capacité chronique. De la même manière, si vous mettez des drones partout, ces drones, ils communiquent. Le principe d'un drone, c'est qu'il communique avec quelque chose. Donc, ça veut dire que vous êtes obligé d'avoir en permanence des gens qui sont des spécialistes des systèmes d'information et de communication. Là aussi, dans toutes les armées du monde, terre, air, mer et n'importe quel pays, on est en sous-capacité de gens qui sont dans ces spécialités-là. Donc là aussi, en fait, c'est déplacer le problème à un point où déjà, on a aujourd'hui des goulets d'étranglement. Ça dépend ce que tu leur fais faire aussi. Ça dépend quoi? Et ça dépend pourquoi? Est-ce qu'on imagine des drones qui intégreront de l'autonomie, c'est-à-dire qui seront capables de reconfigurer leur mission, en tout ou partie? Quelle sera leur mission? Est-ce qu'on imagine demain qu'on va avoir des drones sur la mer ou sous la mer qui seront suffisamment autonomes pour aller porter le feu eux-mêmes? Ça, c'est une grande question. En tout cas, moi, je suis persuadé que si demain, on a des drones de combat autonomes, donc ce qu'on appelle des SALIA, des systèmes d'armes létaux intégrant de l'autonomie, c'est sous la mer qu'on les verra apparaître, pour des questions de droit international. Mais là aussi, on va déplacer, à un moment ou à un autre, on va déplacer des problèmes RH en point A, en point B. Voilà. Oui, on va les amoindrir à un endroit, mais on va les recréer à d'autres.
Merci, bonsoir. Est-ce que vous ne pensez pas que pour tenir dans le temps, pour avoir les formats RH formés pour des contraintes budgétaires, il serait finalement pas plus simple de revenir à des solutions technologiques simples et robustes pour être présent dans les deux approches horizontales comme verticales? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une fuite en avant des évolutions technologiques qui sont rédhibitoires? Alors, rédhibitoire, je ne sais pas, mais effectivement, aujourd'hui, on est typiquement sur ce qu'on appelle la loi d'Augustine, donc qui avait été émise par Norman Augustine. Donc, Norman Augustine, c'était le secrétaire d'État pour l'Air Force aux États-Unis au début des années 70, qui plus tard est parti dans l'industrie d'armement américaine, et qui en fait avait fait une courbe financière et qui disait au rythme où on en est aujourd'hui, en 2050, l'US Air Force ne pourra plus se payer qu'un seul avion. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, on est sur la trajectoire de la loi d'Augustine. Alors, pas forcément un seul avion en 2050, etc. Mais en fait, on se rend compte que la complexification technologique des matériels évolue. Après, le principe, c'est que aujourd'hui, vos navires, ils sont beaucoup plus puissants qu'avant. À tonnage égal, à capacité égale. Ils vont plus loin, ils emportent plus de charges, ils ont besoin d'un équipage qui est moins important. On a divisé par deux, voire par trois, le volume des équipages entre les frames et les navires des classes qui les ont précédés. Donc là aussi, on a gagné par la technologie un certain nombre de choses. La question et un peu le problème intellectuel qu'on a eu justement dans cette période des dividendes de la paix, et notamment avec ce qu'on appelait la révolution dans les affaires militaires, ça a été de penser que la technologie résoudrait tout. Mais ce n'est pas parce qu'on est allé dans cette voie-là et qu'on s'est trompé que ça veut dire qu'on doit faire l'exact contraire et de dire en fait la technologie ne sert à rien. L'idée, c'est comment aujourd'hui on réconcilie les deux. En mer, on ne pourra pas ne pas réconcilier les deux. De toute façon, on est obligé de le faire. Parce que la marine est par nature une armée technologique et parce qu'il y a aussi une vraie prime à la technologie à un moment. De toute façon. Mais oui, on a un besoin de robustesse et on a un besoin parfois de repenser à des choses un peu plus simples. La question, c'est où est-ce qu'on les met? Et en fait, aujourd'hui, toute la difficulté et tout l'équilibre, c'est de dire où est-ce qu'on fait la bascule? Qu'est-ce qu'aujourd'hui on fait en termes de... Alors, moi, j'appelle pas ça du low-tech, parce que low-tech, ça voudrait vraiment on dégrade à mort, mais de middle-tech. Typiquement, les Russes nous ont donné nous donnent une bonne leçon en termes capacitaires. Ils ont pris un modèle de sous-marin à propulsion conventionnelle, qui s'appelle les Kilo, qui était un truc qui était... Bon, c'était pas mauvais, mais enfin, c'était pas renversant non plus, qui commençait dans les années 2000, au milieu des années 2000, à être assez dépassé. Et donc, ce truc-là, où on se disait, bon, ça n'a plus d'avenir. Et du jour où les Russes, en fait, ont gardé ce sous-marin-là, l'ont un tout petit peu amélioré la coque, mais ont gardé quand même globalement ce sous-marin, et ont été capables, sur le sous-marin en question, d'intégrer des missiles de dernière génération qui s'appellent des calibres, des calibres qui peuvent être anti-navires, qui peuvent être des missiles de croisière et qui peuvent même porter des têtes nucléaires, bah, en fait, en modifiant ça, ils sont arrivés à créer un hybride qui a redonné vie, enfin, qui a redonné une vraie vitalité à ce sous-marin. Et en disant, ouais, mais regardez, le sous-marin, là, vous pensiez que le truc, il était complètement dépassé. Bah, en fait, à partir du moment où je mets le missile machin dessus, bah, en termes de coût, le coût est relativement maîtrisé. L'effecteur que j'ai mis sur mon sous-marin, il est quand même vachement bien. Bah, résultat, on peut faire plein de trucs avec. Et donc, cette approche un petit peu du... Moi, ce que j'appelle le middle tech, on n'est pas dans le low tech, on n'est pas dans le high tech, on est dans l'hybride des deux. L'approche du middle tech, elle est vachement intéressante. La modularité, c'est un truc hyper intéressant. Je me suis amusé à regarder les programmes de frégates, enfin les programmes de navires de surface américains sur les 25 dernières années. Vous en avez, en gros, vous en avez trois. Hein. Vous en avez deux qui sont des échecs absolument complets. C'est le programme Zumwalt et le programme LCS, Littoral Combat Ship. C'est simple, c'est le jour où ils se sont dit, on part d'une feuille blanche et on va faire le truc le plus techno possible. Donc là, évidemment, les deux, ça a complètement raté. Ça arrive à des aberrations. Alors les Zumwalt, ils coûtent 4 milliards à la pièce. Ils en ont fait que 3. Ils avaient prévu d'en faire 32, ils en ont fait 3. Et les LCS, pour vous donner une idée, il n'y a que les Américains qui peuvent se permettre de faire ça. Ils en admettent au service et ils les sortent au bout de 5 ans. Donc vous imaginez, nous, on admettrait une frégate et puis on la sortirait au bout de 5 ans en disant la frégate, elle, ouais, non, finalement, elle n'est pas très efficace, allez hop, adios. Bon, ils sont capables de faire ça. Par contre, il y a un programme qui a marché. C'est le programme qu'ils appellent Harley Burke, donc c'est le, voilà, ils en ont fait 80. C'est leur frégate de surface, enfin leur destroyer de surface, pour une raison simple. C'est qu'au départ, du coup, ils ont imaginé les Harley Burke quand ils les ont designés en disant on met 30% de capacité non utilisée sur la coque,
On ne sait pas ce qu'on mettra dessus, mais peut-être qu'à un moment, on mettra quelque chose dessus. Et on met 30% d'alimentation énergétique en plus des spécifications techniques d'origine en disant bah, peut-être qu'à un moment, on en aura besoin. Et bien, résultat, ils avancent par innovation incrémentale. Au fur et à mesure, ils rajoutent des trucs. La Harley Burke, c'est une réussite absolue. C'est pas le meilleur bateau de l'univers, c'est pas le plus pointu qui existe, mais par contre, ça fait extrêmement bien le travail. Et pour le coup, c'est une vraie réussite industrielle, c'est une vraie réussite capacitaire. Ils sont capables, à partir de ça, d'intégrer plein de choses dessus. Aujourd'hui, ils intègrent des armes à énergie dirigées sur les Harley Burke. Au départ du coup, c'est-à-dire quand le bâtiment a été conçu il y a 30 ans, personne n'imaginait ça. Aujourd'hui, ils sont capables de le faire parce qu'ils se sont laissés en fait, la latitude de penser le truc. Donc là, il y a des choses à creuser. Vous voyez, sur ces deux exemples-là, sans renoncer à la techno, mais en disant « Ok, on va être plus pragmatique vis-à-vis de la techno et pas chercher la pointe de diamant de tout, tout le temps. » Merci beaucoup. Oui, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup, vraiment, Nicolas, c'était très intéressant. Je voulais vous dire que la prochaine conférence de la FMES donc, se déroulera jeudi 16 mai et nous aurons la chance d'accueillir l'ambassadeur Maurice Gourde-Montagne qui fut le Sherpa du président Jacques Chirac. Donc Sherpa, ça veut dire conseiller, super conseiller diplomatique, enfin tout ce que vous voulez, enfin, ça veut dire en fait celui qui est derrière toutes les grandes décisions. Et qui viendra nous parler des défis d'un monde fracturé. Donc je pense que ce sera très intéressant et je vous invite tous à revenir. Merci beaucoup et bonne soirée.